Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur Info Soirée. D'abord, les titres. La montagne a accouché d'une souris, pas de landmark judgment. Le comité judiciaire du conseil privé a simplement rejeté l'appel de Suren Dayal, concluant qu'aucune preuve de corruption ou de comportement illicite n'a émergé lors des élections de 2019. Jugement simple et direct, dénué de toute directive ou recommandation pour la réglementation des élections à Maurice, comme certains légistes l'avaient prévu. C'est un Pravin Jagnauth triomphant qui a renoué avec ses partisans au Sun Trust aujourd'hui. Une élection et deux victoires, a déclaré le Premier ministre, célébrant sa deuxième victoire devant le Privy Council. Tout en étant très critique à l'égard de l'opposition, il s'est montré déterminé à poursuivre le travail et a annoncé sa prochaine priorité, le prochain budget. Du côté de l'opposition, Suren Dayal a affirmé avoir le sentiment du devoir accompli. Il a souligné que bien que la bataille ait été perdue, la guerre n'est pas terminée. Navin Ramgoolam maintient que tout en respectant la décision du Privy Council, le jugement final sera le jugement du peuple, a-t-il dit. Xavier Luc Duval, déçu par la décision, estime que le prochain gouvernement aura le devoir de revoir le système électoral. Au chapitre international, le point sur la situation au Gaza. Des milliers de vies sont en danger alors que les hôpitaux manquent de carburant et de fournitures de base. Les Palestiniens luttent pour trouver de la nourriture, de l'eau et un abri, et une offensive israélienne se profile à l'horizon malgré une semaine de frappes aériennes dévastatrices. Eh oui, en effet, la montagne aurait accouché d'une souris. Vous l'avez suivi en direct sur Radio Plus et Télé Plus. Le comité judiciaire du Conseil privé du roi a rejeté l'appel de Suren Dayal. De manière, on ne peut plus clair, le jugement a été rendu public cet après-midi. Les allégations de corruption et de comportement illicite en marge des élections générales de 2019 n'ont pas été établies. Selon les Law Lords, les promesses relatives à l'augmentation des pensions de retraite et la publication du rapport PRB font partie intégrante du manifeste électoral. Dame Sue Carr a avancé une dizaine de points pour expliquer les raisons qui ont motivé leur décision, compte rendu d'Achin Nakcheli-Rabot. The board unanimously dismisses the appeal on all grounds. Sur la base de ses findings, la Cour suprême de Maurice a eu raison de conclure que Pravin Jagnauth et ses deux colistiers, Lila Devidhukan Lutchman et Yogida Swaminathan, n'étaient pas coupables de corruption ou de cheating. Le simple fait qu'une promesse soit faite à l'électorat représentant de l'argent et visant à remporter des votes ne signifie pas nécessairement qu'un acte de corruption a été commis, ont statué les Law Lords. L'annonce d'augmenter la pension de vieillesse à 13 500 roupies fait partie du normal electoral campaigning selon eux. Plus loin, les juges britanniques sont d'avis que ces promesses, notamment la pension de vieillesse, la publication avancée du rapport du PRB ou les allocations accordées aux policiers et pompiers ont été faites ouvertement en public et ont fait l'objet de critiques et de débats. Il y avait une justification à ces mesures, elles n'étaient pas déraisonnables ou comportant des éléments de tromperie ou d'exagération extrême, soulignent les juges. Les promesses portées sur des sujets d'intérêt public importants et sensibles, la pension de vieillesse et autres mesures avaient également été abordés par d'autres candidats et partis politiques et les propositions avaient un impact national, donc ne se limitaient pas aux membres de sa circonscription. Il n'y avait pas de marché conclu ou d'éléments de négociation entre le candidat et l'électeur. Il n'y avait pas de financement privé derrière ces propositions. Et au sujet de l'allégation de cheating, compte tenu des conclusions de la Cour suprême, il n'y a qu'une conclusion possible en ce qui concerne ce délit, à savoir que l'on ne peut dire que le Premier ministre et ses colistiers ont agi contrairement à l'article 64 de la Representation of The People Act parce qu'ils ont fourni de la nourriture, des boissons ou du transport lors de l'événement qui s'était tenu au centre Swami Vivekananda dans le cadre de la journée des personnes âgées. Une réaction, une élection et deux victoires. C'est ainsi qu'un Pravin Jagnauth triomphant s'est adressé à ses partisans au bâtiment du Sun Trust après l'annonce du verdict du Privy Council. Le Premier ministre et chef du MSM a souligné que c'était sa deuxième victoire devant cette cour. Vous vous en souvenez, la première étant l'affaire Medpoint. Dans son discours, Pravin Jagnauth s'est montré particulièrement véhément à l'égard de l'opposition
qu'il accusait de tomber dans la démagogie et de ne faire que convoiter le pouvoir. L'opposition n'hésite pas à s'attaquer, à attaquer les institutions, a-t-il martelé. Il a affirmé que la priorité du gouvernement demeurait le travail et le progrès, et ajouté que le gouvernement irait jusqu'au terme de son mandat. Son objectif maintenant est de se préparer au prochain exercice budgétaire. Émilie Payen nous a ramené ces quelques images du SunTrust. Une élection, des victoires. En tout cas, c'est une grande victoire pour la démocratie. Une victoire de la vérité et le mensonge. La preuve que notre système organise l'élection, l'incrédible et l'intègre. Mais, laisse-moi dire, ce qui m'ont toujours constaté, que nous, population, dans sa grande majorité, à aucun moment, n'y pas fini, n'a aucun doute, lors la victoire de l'Alliance mauricienne en dernière élection. Et me tenir à saluer ma institution qui fonctionnait comme un bizarre. Me tenir à saluer des milliers et des milliers de fonctionnaires qui viennent travailler pour sa élection-là. L'opposition fin trait de tous les noms. L'opposition fin zet la boue, l'aux autres. Mais Azodi, sa jugement privé council là, lit aussi pour sa bonne institution là, ouais, et pour sa bonne dimanche là. Tu vas pouvoir venir, l'opposition pas capable. Nous, numéro 11, 50% numéro 11, pour avoir une 50% que tout allait passer. Deuxième victoire, l'opposition pas capable et nous respecter le jugement par avis comme de l'Angleterre. Nous numéro 13, nous bien fiers avec sa décision là. Et à cause même qu'ils ont dit nous là, nous venons, nous protéger au gouvernement, nous ministre, le premier ministre et ce gouvernement ensemble. Tu l'étends nous avec lui parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait plus pour un Maurice là. Bien, nous ministre pas besoin qu'on menti. Après tout ça que l'IGL fait, hein, nous fiers de lui. So, d'ici nous là, nous dans victoire, ben c'est grâce à lui. La vérité inéclairée aujourd'hui dans ce figure. Moi dans le numéro 2 avec Rubina Jadou. Et c'est conception numéro 4. Nous venons pour écouter le leader, ce message. Et bien cher, j'ai un jugement qui nous tous nous attendre depuis bien avant. Et aujourd'hui nous venons un jugement là. Nous remercions Privy Council pour le travail qu'il fait. Nous remercions un avocat pour ce travail. Et nous disons le Premier ministre, en tant qu'un jeune, nous avec vous. Et aujourd'hui, je suis très content pour le MSM, la victoire. Et vraiment, c'est un énorme plaisir en tant donné de diaspora et de diaspora mauricien à Paris. Et donc, je pense que tout le monde doit être fier de dire aujourd'hui. Et le Premier ministre, c'est la victoire pour tout le monde. Après le rejet de son appel par le Privy Council contestant ce jugement, la Cour suprême, Souren Dayal, a exprimé son sentiment d'avoir accompli son devoir. Il a livré ses impressions lors d'une émission spéciale animée par Nawaz Nurbox et Jagdish Joypal, soulignant que bien que la bataille ait été perdue, la guerre n'était pas terminée. Il a également exprimé sa satisfaction quant au travail accompli par son équipe juridique et a souligné le soutien de son leader et de son parti pour faire face aux frais à payer. Je vous propose de l'écouter. On a le sentiment d'un devoir accompli. On a assumé nos responsabilités. Moi, on a, comment nous dire ça, sentiment du devoir accompli. Et à ce temps, nous attendons le tribunal, les peuples, les plis suprêmes. On a des rêves. Je ne considère pas considérer ça comme une défaite. On gagne l'occasion, saisit sa bonne instance-là. Il y a aussi la question du paiement, on connaît qui est plutôt célèbre. Je ne comprends pas, comment dire, connaissance de tout ça. Après, nous pouvons guetter. Mais d'ores et déjà, je vais vous dire que je remercie le leader du parti, Dr. Navin Ramgoulam, qui m'a gagné ce soutien all along, et le membre du
parti, et ban ami, et mon ban legal team, je t'ai fait ban travail, et j'ai imagine 4 ans. Et dans le tribunal, les peuples sont venus là. We have lost the battle, we have not lost the war. Autre réaction après la décision du Privy Council, celle de l'opposition, notamment de Navin Ramgoolam, qui maintient que le jugement final sera le jugement du peuple. Le leader du Parti travailliste continue d'affirmer que les élections de 2019 n'étaient ni libres ni équitables, tout en respectant le verdict du Conseil privé du roi. Il tient également à exprimer sa reconnaissance envers Suren Dayal pour sa détermination. De son côté, le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, se dit déçu par la décision du Privy Council et estime que le prochain gouvernement devra revoir le système électoral. Mélanie Duval. Nous convaincus que l'élection de 2019, c'est ni fruit ni fer. Par exemple, la question qui reste posée, comment pour expliquer, pas qu'il n'y a aucune explication valable, comment bulletin de circonscription numéro N, introduit dans boîte circonscription numéro 19, alors qu'il boîte fermée et scellée et gardée côté SMF. Donc, moi, je dis, élection générale pas loin, maximum l'aliénance c'est 19 mois et demi. Et obligé sous le Parlement arrive, c'est qu'il arrive dans 12 mois et demi. Moi, dis à Ban Mauricien et Ban Mauricien, garde l'espoir. Nous vous ramènons la démocratie, la liberté, la prospérité pour tout le monde. Jugement final, c'est le jugement du peuple qui peut faire. Bien sûr, nous déçus du jugement, mais moi, je dis deux, trois choses, Nawaz. Oui. Tout Ban Mauricien connaît qu'il y a énormément d'abus et de moment de vice de procédure, beaucoup, beaucoup casse finement aussi, dernière élection. C'est une affaire quand on allons en justice, ou une affaire c'est connaître qu'il est arrivé, l'autre affaire c'est prouver qu'il est arrivé. Mais il est clair qu'il ni devant la Cour suprême, ni devant le Privy Council, nous pas un récit prouvé qui, ça m'en a vu là, fin effectivement, fin arrivé. Et c'est ça mon conclusion. Un jugement direct basé sur la jurisprudence Ringadou versus Jagnat et aucune directive pour les prochaines élections générales. C'est la première réaction du Senior Counsel Maître Sanjay Bakori lors de l'émission spéciale animée par Nawaz Nurbox et Jagdish Joypal. Les réformes sont nécessaires car ce jugement est basé sur un texte de loi qui date du 19e siècle, a ajouté Maître Antoine Domingue. L'observateur Jean-Claude de Lestrac, qui a également participé à l'émission, a quant à lui souligné que c'est un jugement que le Premier ministre pourra utiliser à l'avenir. Ces extraits vous sont proposés par Didier Rose. On l'a attendu. Bon, pourquoi il y a un Mauricien qui est vraiment étonné, même pas Suren Dayal apparemment. Tout du monde est conscient qu'il perd de sa direction-là. Au fait, l'information principale du jour, pour moi, ce n'est pas le jugement, c'est la confirmation, ce qui nous peut anticiper, ce qui, contrairement à ce que l'opposition peut dire, élection pour cette année-là. Élection pour après le budget. C'est ce qui, Pravin Jagnat, a confirmé. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jagnat est parfaitement conscient que, s'il est vrai que ce jugement-là, psychologiquement, donne-lui personnellement un peu plus de mileage et bon, quelques arguments électoraux. Ouais, mais il pas suffit. Mais pas d'élection. Ça qui suffit pour faire gagner l'élection. Ce qu'il y pensait pour être gagner l'élection, c'est le prochain budget. Et s'il peut dire ça, que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y prévoit dans le prochain budget ce qu'il y a déjà fait dans l'ancien budget et qui donc il peut continuer encore plus facilement maintenant avec le Privy Council, il n'y a aucune limitation. Comment nous dire, il défonce la caisse là. Directive, évidemment, ce qu'il faut faire. Il prend les moyens, même si c'est un peu avec un peu monnaie de change, mais bon, électeur content qu'il gagne un cas à ce poste. Seulement, un acte de mauvaise foi, avec un motif corrompu, qui ne peut pas être censuré par la Cour. Le test qu'il faut appliquer, lit comme suit. Un candidat pas pour enfreindre la loi électorale contre la corruption, quand il peut vanne, pour ainsi dire, se performance au gouvernement et ce programme électoral ou se manifeste ce parti électoral, en vue qu'il peut attirer un vote. Ça, tout ce cas-là, c'est un cas de campagne électorale
légitime. Quand il a besoin capable de convaincre son électeur qui fait ce besoin vote pour lui ou ce parti. Par contre, quand il a là, il peut violer la loi électorale s'il est impliqué dans acheter vote, c'est-à-dire essence vote contre l'argent ou toute autre considération de valeur, hein, au lieu qu'il utilise un argument convaincant pour influencer son électeur. Du moment qu'il y a une masse sondage, et c'est ça le mot-clé, du moment qu'il y a une masse sondage, ça peut établir l'intention de corrompre. Tout à fait autre chose à présent. Hier soir, à l'aéroport, lors de l'arrivée d'un résident de Beaubassin, en provenance de La Réunion, les autorités ont découvert 640 grammes de cannabis dissimulés dans environ 53 boulettes de chocolat. La valeur marchande de la drogue est estimée à 750 000 roupies. L'opération a été menée par la Customs Anti-Narcotics Section de la MRA et un homme de 29 ans fait maintenant face à une accusation provisoire d'importation de drogue. Il comparaîtra devant le tribunal de Maybourg ce lundi et son interrogatoire sera effectué dans les prochains jours par des enquêteurs de la brigade anti-drogue. Nous passons maintenant à une page de pub. Je vous retrouve tout de suite après. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années. Pour votre famille, pour vos enfants, c'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. SC Works for life for work. Avec Maggie Scratch & Win, gagnez des super ustensiles de cuisine et des produits électroménagers, des blendeuses ou des casseroles, entre autres. Pour participer, vous n'avez qu'à acheter deux produits Maggie, par exemple une Maggie Oyster Sauce et un cube bouillon, ou deux soupes poules vermicelles pour n'en citer que quelques-uns. Et recevez une carte à gratter qui vous permettra peut-être de gagner ces magnifiques cadeaux. Conditions applicables. Au chapitre du conflit israélo-palestinien, Ramah Vallaiden a sollicité la tenue d'une minute de silence à l'Assemblée nationale demain en signe de soutien envers le peuple palestinien. Il a adressé une lettre à la fois au chef de gouvernement et au leader de l'opposition que l'objectif principal devrait être la recherche d'une paix globale, indépendamment de notre affiliation politique.
Ces propos ont été recueillis par Kevin Schlack-Simon. C'est un joint letter au Premier ministre et au leader d'opposition. C'est une lettre pour dire, en mon nom personnel, comme avocat, militant des droits humains, qui n'a pas choisi pour défendre et qui n'a pas qui côte divan peut battre pour prendre une position, c'est-à-dire peine opportuniste, de dire que Maurice est capable de donner l'exemple, un exemple dans le monde, et qui nous garde une minute de silence à partir de ce qui arrive au peuple palestinien, garder régulièrement, ça parle pas juste pour le peuple palestinien, mais là, nous pouvons gagner un génocide, nous pouvons gagner un deuxième Nakba, gagner l'effet qui tout les chaque fois parlement joigne après l'hymne national Code to Cause in Peace, Justice and Liberty, nous prend un minute de silence pour la paix de par le monde, la paix partout. Et quand nous cause la paix, il faut permettre ben parlementaire faire face à ce destin au niveau de la planète bleue comme terrien et non pas comme X race, Y race. Moi aussi dit un apporté dans la lettre, moi dire moi espérer que je commence chantli parce qu'il se chantli et ben zen poursuivre. Et de l'autre côté, ça notion de in peace, justice and liberty ou aussi as one nation, as one people, pour rendre dans la tête les Mauriciens. À Gaza, les médecins ont averti que des milliers de personnes pourraient mourir. Les hôpitaux débordés par les blessés manquent désespérément de carburant et de fournitures de base. Les Palestiniens dans l'enclave côtière assiégée peinent à trouver de la nourriture, de l'eau et un abri en prévision d'une offensive terrestre israélienne attendue dans le cadre de cette guerre déclenchée contre l'attaque meurtrière du Hamas. L'OMS a par ailleurs averti que d'ici 24 heures, nous serons face à une vraie catastrophe. Fin de citation. Les forces israéliennes, soutenues par un déploiement croissant de navires de guerre américains dans la région, se sont positionnées le long de la frontière de Gaza et se sont entraînées en vue d'une vaste campagne visant à démanteler le groupe militant selon Israël. Une semaine de frappes aériennes dévastatrices a détruit des quartiers entiers, mais n'a pas réussi à endiguer les tirs de roquettes des militants en direction d'Israël. Et puis l'armée israélienne a récemment revu à la hausse le nombre de personnes retenues en otage à Gaza, passant de 155 à 199. Ces otages ont été pris lors de cette infiltration par des combattants du Hamas en Israël il y a plus d'une semaine maintenant, causant la mort de plus de 1400 personnes. L'ONU mène des négociations pour acheminer les premiers secours à Gaza. Entre-temps, des milliers de personnes se rassemblent près de la frontière égyptienne, espérant quitter Gaza avant une éventuelle offensive terrestre israélienne. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est revenu en Israël et le président Joe Biden a appelé Israël à faire preuve de prudence, soulignant l'importance des efforts diplomatiques pour résoudre la crise en cours. Et le sport, pour terminer ce journal, les Sud-Africains sont dans une ambiance festive depuis ce matin. Après la victoire des Springboks sur la France, une victoire qui les propulse en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, la partie de dimanche soir a été un véritable thriller. Mais les Springboks ont résisté à la pression écrasante d'une nation hôte, pleine d'attentes. Mais ils rêvent maintenant d'une deuxième victoire consécutive en Coupe du Monde de rugby. Après la victoire des Springboks à Paris, ils devront jouer contre l'Angleterre ce samedi à 21h. En novembre 2019, les Springboks avaient remporté la finale de la Coupe du Monde de rugby en battant justement cette équipe d'Angleterre. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Passez une très bonne fin de soirée.